n'a rien dit à Tekoa et il veut dire quelque chose maintenant. Who did not say anything in Atekwa and would like to say something now? Qui n'a rien dit à Atekwa et qui veut dire quelque chose maintenant? Who did not say anything in Atekwa and would like to say something now? Raise your hand, please. Bien dire. Oui, donnez-lui le micro. Give them the microphone, please. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus est le même. Il travaille dans le secret. Et je n'ai rien dit à Atekwa. Je me posais la question, est-ce que moi aussi, je suis dedans? Gloire à Dieu. Et j'étais effectivement dedans. Je suis la sœur Sieyou Agathe, épouse Mel. Mon faisait de disciple est l'ancien Oka Emolo. Et je me posais des questions. Et un jour, Dieu m'a répondu, Dieu m'a dit, ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train de toucher, ce que je fais dans le secret est plus que ça. Mon cœur est refroidi. On a fini la croisade et nous avons commencé le camp des jeunes. Un coup de téléphone, j'attends mon neveu qui est à Issia, qui m'appelle pour me dire que « Maman, je viens au camp des jeunes. » J'ai dit « Aïe, tu viens au camp des jeunes comment ?» J'ai donné ma vie à Jésus, on m'a déjà baptisé, déjà… Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Depuis 2000, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Dieu m'a dit, moi et ma maison, nous allons le servir. Mais depuis, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Aujourd'hui, Dieu m'a répondu. Il est venu avec sa femme. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et il a participé au camp. Il a fini, il est rentré. Je suis très heureuse. Et je dis merci au Seigneur parce que je sais qu'il a fait beaucoup dans le secret. Suivant, merci. Offre d'acclamation. Clap au fruit. Le fruit palpable. That is a tangible fruit. Les âmes sauvées. Souls saved. Gloire à Dieu. Je suis le frère Combé Franck Boris et j'ai pour faisait de disciples l'ancien et Solouès Olivier. Amen. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui me donne la grâce de rendre ce témoignage. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a, par sa main toute puissante, a sauvé certains membres de ma famille cette année pendant le renversement des principautés. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et par la grâce de Dieu, c'est mon petit frère qui me suit juste. Il s'appelle Combé Dominique. Pendant le renversement des principautés, au 34e jour du jeûne, ma grande sœur m'a appelé pour me dire que l'enfant souffrait et qu'il n'arrivait plus à manger. Et je lui ai dit que certainement Dieu veut sauver l'enfant. Nous avons continué à prier. Le lendemain, par la grâce de Dieu, il a décidé de m'écouter et je lui ai prêché l'évangile. Il a accepté le Seigneur, il a abandonné la drogue, il a abandonné la masturbation, il a abandonné l'adultère, il est venu à Atekwa. Alléluia. Et hier matin, on m'appelle pour me dire qu'il y a ma nièce qui vient de se baptiser. Alléluia, Jesus Christ. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que cette année, ma grande sœur qui a cru depuis 2 ans, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, elle sera dotée le 21. Jesus Christ. Et pendant le renversement de principauté, mon père m'appelle, il me dit que il faut que d'ici fin septembre, il régularise la situation
matrimoniale de ma mère. Alléluia. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour sa grâce dans notre famille. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dogbo Armand, disciple du pasteur Babatunde Nathaniel. Vraiment, le Seigneur m'accorde la grâce aujourd'hui de rendre un témoignage puissant. Amen. Il faut dire que le Seigneur m'a délivré cette année de l'échec professionnel. Je travaille dans une entreprise qui est présente dans 17 nations en Afrique et depuis 2014. Et depuis 2018, j'ai commencé à passer le concours interne professionnel pour avoir la promotion. Et en 2018, ça n'a pas marché. En 2019, ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas découragé par la grâce du Seigneur. Et en 2020, on avait eu une opportunité unique d'avoir la promotion et il y a eu la crise du coronavirus et on a dû attendre 2021. Et je criais au Seigneur qui m'accorde la grâce en 2021 de repasser encore le concours. Et il faut dire qu'en 2020, pendant le renversement des principautés, le Seigneur a ouvert mon esprit pour voir que je n'étais pas le seul à connaître l'échec professionnel, que c'était tous mes collègues et moi qui avons le même problème. Il faut dire que quand on organise des concours, s'il y a un interne, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière l'entreprise, qui est admis, si c'est trop, c'est une seule personne. Ça, c'est de manière exceptionnelle. Sinon, ce qui est normal, c'est que personne ne soit admis. Et c'était comme ça. Mais le Seigneur a ouvert mon esprit pour voir que ce n'était pas normal que je devais prier que Dieu renverse la principauté de l'échec pour que nous puissions avoir le succès aussi. Et c'est comme ça qu'en 2020, c'était mon fardeau principal. Je criais à Dieu. Et 2021 est arrivé. Le Seigneur a permis que le concours soit organisé à nouveau. Et nous étions nombreux, mes collègues et moi, à avoir composé. Il faut dire que cette année, le Seigneur a accompli quelque chose que nous-mêmes, on n'attendait même pas que cela se produise un jour. C'est-à-dire que quand les résultats sont sortis, jusqu'à la direction générale, les gens étaient choqués par les résultats qui sont sortis. Parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Il faut dire que Dieu nous a donné un succès retentissant. Là où il n'y avait qu'une seule personne, quand c'est vraiment exceptionnel, cette année, le Seigneur a permis que sept parmi nous réussissent au concours. Jésus. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être parmi ces sept-là. Amen. Merci. Thank you. Que Dieu te bénisse. C'était pour vous dire que les fruits, les résultats continuent à être récoltés. This was just to tell you that the fruits and the results are still being harvested. Et maintenant, right now, chacun doit travailler. Each one must work pour être capable au niveau individuel de remporter les batailles individuelles. To be able at the individual level to win individual battles. Beaucoup de bénédictions ont été libérées. Many blessings were released. Quand nous renversons les idoles, when we overthrow idols, et n'oubliez pas que c'est la clé même de la prière pour le renversement des principautés. Don't forget that that is the key for the prayers to the overthrow of principalities. Renverser les idoles. Overthrowing idols. Pour que Dieu occupe le trône. So that God should occupy the throne. C'est le retour à l'obéissance au premier commandement. It is the return to the obedience to the first commandment. C'est pour cette raison que le Seigneur honore tous ceux qui se prosternent devant lui. That is why God honors all those who bow down before him. Tous ceux qui renversent les idoles pour que le trône de Dieu soit établi dans leur vie, dans leur cœur. All those who overthrow idols so that God's throne should be established in their lives and in their hearts. Le diable est tombé. The devil is fallen. Les démons ont été mis en débandade. And the demons have been put in confusion. La victoire de Jésus est éclatante au milieu de nous. The victory of Jesus is abundant in our midst.
Malgré le temps, c'est-à-dire le climat, in spite of the weather, malgré la distance, in spite of the distance, les frères ont répondu à l'appel. The brethren responded to the call. La moyenne journalière de participation est de 2918 personnes chaque jour. The average of participation daily was 2,918 participants. Le premier jour, nous étions à 14,787. On the first day, we were 14,787. Le 39e jour, nous étions à plus de 5,500. À plus de 10,000. On the 39th day, we were more than 10,000. Non, je reprends. Le 39e jour, nous étions à plus de 10,900. On the 39th day, we were more than 10,900. Nous avons gagné 3,564 âmes à Jésus-Christ. We won 3,564 souls to Jesus. Les personnes qui ont été délivrées parce que les démons se sont manifestés, soit elles sont tombées, on les a portées pour aller les délivrer, sont au nombre de 1,718. The people that were delivered, who either fell and they were taken to be delivered or manifested demons, were 1,718. Ça c'est Abidjan, hein? This is in Abidjan only. Parce que les autres régions sont en train d'envoyer les chiffres. Because the other regions are sending their figures. Parce que c'est une croisade nationale. Because this was a national crusade. Nous aurons les chiffres région par région. We would have the figures per region. Et les 17 derniers jours, nous avons décidé de compter le nombre de démons chassés parce que nous avons remarqué que on dit que Jésus a chassé 7 démons d'une femme. Donc on comptait, il comptait les démons chassés. On the last 18 days, we decided to start counting the demons that were cast out because, for example, the Bible says that Jesus cast out 7 demons from a lady. Donc les 17 derniers jours. So on the last 17 days, nous avons chassé 2,372 démons. We cast out 2,372 demons. Il y avait aussi les brisements des liens. We also had the breaking of ties. Nous avons brisé les liens de 461 personnes. We broke the ties of 461 persons. Je voudrais qu'ensemble nous disions merci à Jésus. I'd like us together to say thank you to Jesus. Pour ce ministère qu'il nous a confié. For this ministry that he has entrusted to us. Qui libère les captifs. Which sets captives free. D'une manière palpable. In a tangible way. Qui nous restaure même nous-mêmes, qui nous restaure dans les desseins de Dieu. Which restores us to God's purposes. Chaque croisade est une occasion pour chacun d'entrer dans une période de renouvellement de l'onction. Every crusade is an opportunity for each one to get into a renewal of the anointing. Les semeurs ont accompli à 90% leurs objectifs. Accomplished their goals up to 90%. Quand le rapport sera prêt, ils vont nous faire parvenir le rapport. When their report will be ready, they will bring it to us. Parce qu'ils devaient animer la louange 24 heures sur 24. Because they had to carry out the ministry of praise 24 hours on 24. Il y a des jours où ils ont été fidèles même sous la pluie. There were days that they were faithful even under the rain. Et ils devaient composer 1,000 cantiques. And they had to compose 1,000 hymns. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Prions ensemble. Let's pray together.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Lisons ensemble. Let us together read 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Pierre chapitre 5 le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober and vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen. Après une bataille comme celle que nous venons de mener. After a battle and warfare like what we just carried out, tu dois être vigilant. You must be vigilant. Nous étions unis. We were united. Et nous nous sommes organisés pour frapper le camp de l'ennemi. And we organized ourselves to strike the camp of the enemy. Nous avons organisé un siège. We organized a siege. Nous allons casser les prisons. We broke down prisons. Nous avons démoli les forteresses. We demolished strongholds. Nous avons desséché les eaux. And we dried up water sources. Nous avons incendié des forêts. We burnt down forests. Les captifs ont été libérés. And captives were set free. Quand le combat est chaud, when the battle, when the warfare is hot, se retire. The enemy withdraws. Quand Satan a tenté le Seigneur Jésus dans le désert, when the devil tempted the Lord Jesus in the desert, quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire, when he saw that he could do nothing, la parole dit qu'il s'est retiré pour attendre un temps favorable. The word says that he withdrew to wait for a favorable time. Donc, la parole dit, soyons sobres. Let's be sober. C'est-à-dire, modérés. Ça parle des passions et des désirs. It talks about passions and desires. Ça parle de la maîtrise de soi. It talks about self-control. Pour certains, for some, le diable va tout faire pour qu'ils se mettent en colère. The devil will do all so that they should get angry. Le diable peut envoyer quelqu'un pour t'insulter. The devil will send someone to insult you. Quand tu regardes même, tu vois le démon qui bouge. When you look, you will see a demon that is at work. Il faut laisser. You should just leave it. Ce genre de démons-là, on ne remporte pas la victoire en disant sors au nom de Jésus. Tu restes calme et il tombe. Those kinds of demons, you don't need to say out and they go. You just stay quiet. Résistez au diable. Resist the devil. Il fuira loin de vous. And he would flee from you. Tu es un jeune homme. You are a young man. Laisse les romans pornographiques. Do away with pornographic. Ça va te ramener dans toutes les masturbations que novels. Tu as rapportées, que tu as abandonnées. It will take you back to the masturbation that you abandoned. Ça sera de par ta faute. And that will be by your own doing. Laissez la musique mondaine. Leave worldly music. Ça souille la pensée. It defiles the mind. Laissez les mauvaises compagnies. Leave bad companies. Bâtissez de bonnes relations. Build good relationships. Maîtrisez tes passions, tes désirs. Control your passions, your desires. Tu vas demeurer dans la grâce. Tu vas demeurer dans la faveur de Dieu. You will abide in the grace and the favor of God.
Frère, la victoire était totale. Brethren, the victory that we acquired was total. Et le Seigneur nous a élevés à un autre niveau de sa connaissance et de la connaissance de ses combats. And the Lord raised us to another level of knowledge of his battle. Ça doit être protégé. It must be protected. Contre quoi? Against? Contre ton propre doute. Your own doubts. Vous savez, nous marchons par la foi. You know, we walk by faith. Si je te dis que Jésus est là, tu peux regarder où est-il, mais il est en toi. If I tell you Jesus is here, you look around and say, where is he? But he is in you. Mais combien croient que Jésus habite en eux? But how many do believe that Jesus lives in them? Voilà les vrais ennemis. Those are true enemies. Ne cherche pas de preuves extérieures de ton appartenance à Christ. Do not look for external proofs of your belonging to Christ. Tu es un enfant de Dieu authentique. You are a genuine child of God. Jésus t'aime. Jesus loves you. Et c'est écrit dans la Bible. And it is written in his word. Cela te suffit. That is enough for you. Tu as l'autorité. You have authority. Sur la puissance, sur la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Over all the power of the enemy. Si tu dois effectuer un voyage, if you have to travel, va avec certitude, avec assurance. Go with a certainty, with assurance. Sachant que Dieu est avec toi. Knowing that God is with you. Tu n'as pas besoin de prophète. You don't need a prophet. Pour savoir que Dieu t'aime. To know that God loves you. Ceux qui ont besoin de prophètes. Those who need prophets. Pour se rassurer, ils ont déjà perdu. To assure themselves, have already lost. Le diable va t'envoyer ses prophètes pour te tromper. The devil will send his prophets to you to deceive you. Tu dois croire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. You must believe that all of God's promises will be accomplished. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Ce que tu fais là, c'est comme ça. Quand on dit que quelqu'un croit là, c'est ce que tu fais. What you are doing is what we call that someone is believing. Ceux qui ont cru dans la Bible là, ils ont fait quoi? Ils ont cru que Dieu existe. Those who believed in the Bible, what did they do? They just believed that God exists. Et tu crois que Dieu existe? And you believe that God exists. Ils ont cru que s'ils prient, Dieu va exaucer. They believe that if they pray, God will answer. Et ils ont prié, Dieu a exaucé. And they prayed and God answered. Donc, il n'y a pas une autre formule de croire en Dieu. There is no other formula to believe in God. Ne te comporte pas comme un stagiaire, quelqu'un qui s'entraîne pour être normal dans 5 ans. Do not behave like an intern or someone who is training himself to be normal in 5 years' time. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'autre conseil, our advice, veille sur toute ta personne. Watch over your entire person. Toute ta personne en tant qu'offrande à Dieu. Your entire being as an offering to God. Quand tu as prié là, tu n'as pas dit à Dieu, voici l'argent. Tu as dit à Dieu, me voici, Seigneur. Ça veut dire que tu t'es offert à Dieu comme une offrande, un sacrifice vivant. When you prayed, you did not say, Lord, this is my money. You said, Lord, here am I. It means that you offered yourself to God as a living sacrifice. Et la parole nous exhorte, and the word exhorts us, à offrir nos corps à Dieu, to offer our bodies to God, comme des sacrifices. Vivant. As living sacrifices. C'est toute ta personne que Dieu réclame. It is your entire being that God lays a claim on. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les autres sacrifiaient les animaux. Mais pour nous, Dieu a besoin de nous-mêmes. In the Old Testament, people used to sacrifice animals. But for us, God needs us. Et quand tu te déposes, quand tu prends tout ton être pour déposer sur l'autel, and when you take your entire being to lay it on the altar, tu dois veiller sur toi-même. You must watch over yourself.
Lisons une illustration dans la parole de Dieu. Let us read an illustration in the word of God. Genèse 15, verset 1 à 21. Genesis 15, from verse 1 to verse 21. Genèse, chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une chenille de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérisiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Ici, here, la parole de Dieu nous montre comment Dieu avait traité une alliance sérieuse avec Abraham. The Lord shows us here how God carried out a serious covenant with Abraham. Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham. God had already promised Abraham qu'il aurait des enfants. That he would have children. Ici, here, le Seigneur vient encore et il apparaît à Abraham. The Lord appeared again to Abraham. La Bible dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point,
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Et Abraham donc demande à Dieu, tu me donneras quoi? And then Abraham asked God, What are you going to give me? Toi-même, tu sais que je n'ai pas d'héritier. You know that I don't have an heir. Et écoutez, verset 4. Listen, verse 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Et il invite Abraham pour qu'il regarde le ciel. Then he told Abraham to look at the skies. Il lui montre les étoiles. He showed him the stars. Pour lui dire que tes enfants seront comme les étoiles que tu vois là. And told him that your children shall be the number of the stars that you see. La Bible dit, the Bible says, Abraham a cru. And Abraham believed. Logiquement même, logically speaking, l'image que Dieu avait choisie pouvait faire qu'Abraham se mette à douter. The example that God used could have even made Abraham to doubt. Parce que depuis que la terre fut fondée, il n'y a pas un homme qui avait eu des enfants autant que le nombre des étoiles. Because since the earth was created, there has been no man who has had children as much as the stars. Donc tout était fait pour que Abraham dise que les enfants, je peux comprendre, mais les étoiles. So, 1, 2, 3, 4, partout il y a les étoiles. So everything could just push Abraham to say, well, children, I believe by the stars. Mais il n'a pas douté. But he did not doubt. Imagine que quelqu'un soit en train de souffrir du cancer. Imagine that someone is suffering from cancer. Et Dieu donne Dieu fait la promesse. And God makes a promise. Que je te guéris. That I heal you. C'est comme regarder les étoiles et croire que c'est comme ça que tes enfants seront. It is the same scenario as looking at the sky and believing that your children will be as. Mais Abraham a cru. But Abraham believed. Essaye de sortir, tu regardes le ciel. Just go out and look at the sky. Tu verras que Abraham avait vraiment cru. You will see that Abraham truly believed. Tu ne peux pas compter les étoiles. You cannot count the stars. Il a cru. But he believed. Après une croisade comme celle-ci, after a crusade like what we just had, il faut croire. You must believe. Il faut croire. You must believe. Frère, la Bible était écrite pour les hommes comme toi et moi. Brethren, the Bible was written for men like you and me. C'est comme ça qu'on croit. That's how we believe. Qu'un démon ne vienne pas te tromper que toi tu ne crois pas. Let a demon not come and deceive you that you don't believe. Que Dieu t'a rejeté, tu ne crois pas. That God has rejected you, you don't believe. Dis au démon, tu mens, je crois. Tell him, demon, you lie, I believe. Et c'est ça qui va attirer la bénédiction sur nos vies. And that is what will bring down blessings upon our lives. Tout s'est décidé ce jour où la parole dit Abraham crut. All of it was settled on that day when the word of God says Abraham believed. Il eut confiance à l'Éternel. He believed in the Lord. Et ce jour-là, Dieu a dit qu'Abraham est un juste. And on that day, God said, Abraham is righteous. Le fait d'avoir mérité sera comme les étoiles du ciel. The fact that he fait de lui un juste. The fact that he believed that his descendants would be as numerous as the stars in the sky made of him a righteous man. Donc, non seulement qu'il verra la postérité, mais il est déclaré juste. Not only that he would see his descendants, but he was also declared righteous. Il y a une manière de croire
There is a way of believing qui t'élève devant Dieu that raises you before God et te place parmi les grands. And places you amongst the great. Il y a une manière de croire. A way of believing. Il y a des gens qui croient en murmurant. There are people who believe while murmuring. Abraham eut confiance à l'Éternel. Abraham had confidence in the Lord. Essaie de sortir, regarder les étoiles. Just try and go out. C'est là que tu vas comprendre que Dieu devait vraiment bénir cet homme. That's when you would understand that God just needed to bless that man. Frère, Dieu n'a pas changé. Brethren, God has not changed. Verset 7. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans ça, to give you this land to inherit it. Avec Dieu. And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Après la croisade, after the crusade, passe des moments de transaction avec Dieu. Spend moments of transaction with God. Seigneur, tu m'as fait la promesse. Lord, you promised. Je crois. I believe. Est-ce cette année ou bien l'an prochain? Is it this year or next year? Dieu te permet ça. God allows that. Dieu n'est pas un méchant que dès que tu poses une question, il casse sa tête. God is not a wicked man that as soon as you ask a question, he breaks your head. Abraham a déjà cru. Abraham already believed. Il aura une postérité. That he will have descendants. Dieu lui dit que ce territoire t'appartient. Then God tells him that this territory belongs to you. C'est une autre énigme. That is another enigma. Un pays avec des gens qui sont armés, tout ça, tu dis, tu vas donner ça, comment ça va se faire? A land with people who are armed left and right, and then you say, I would inherit it. How are you going to do it? Et Dieu lui donne la réponse. And God gave him the answer. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. So he said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove and a young pigeon. Dieu décide de répondre par une alliance. God decided to answer through a covenant. Alléluia. Alléluia. Dieu prend la relation avec l'homme au sérieux. God takes his relationship with man seriously. L'homme fait partie de la race divine. Man is part of the divine race. Quand Dieu traite avec l'homme, when God deals with man, il met tout son sérieux. He puts everything seriously. Si nous devons traiter avec le Seigneur, so if we must treat with the Lord, mettons tout notre sérieux. If we must deal with the Lord, we ne must fais pas que Dieu investit 100%. Toi qui es demandeur, tu viens investir 1, 2%. It is not that God invests 100% and then you who are the one asking come and then you invest 30%. Lui fait sans réserve. Toi tu fais avec des réserves alors que c'est nous-mêmes qui avons besoin de lui. He does it without holding back, but you do it holding back, whereas we are the ones who need him. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Then he brought all this to him and cut them in two, down in the middle, and placed each piece opposite the other, and he did not cut the birds in two. And when the vultures came down on the carcasses, Abraham drove them away. Donc, il a dit à Abraham les animaux qu'il devait apprêter pour que l'alliance soit traitée. So he told Abraham the animals that he needed to bring for the covenant to be sealed. Et il a dit à Abraham comment il devait disposer les morceaux de des animaux. How he had to place the pieces of each animal. Et Abraham l'a fait. And Abraham did as he was instructed. Dès qu'Abraham a fini, as soon as Abraham les oiseaux de proie sont descendus pour venir tout manger.
Vultures came down to eat all. Et Abraham les a chassés. And Abraham drove them away. Et là, c'était un acte salutaire. That was a saving action. Si les oiseaux avaient bouffé, avaient mangé cette viande, if the birds of prey had eaten, il n'y aurait pas eu d'alliance. There would be no covenant. Quand tu vois comment l'alliance a été contractée, when you see how the covenant was established, écoutez, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham. And behold, horror and great darkness fell upon him. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Le sacrifice a été protégé, l'action de Dieu commence. The sacrifice was protected, and then God's action begins. Une prophétie déterminante qui révèle l'avenir. A determinant prophecy that reveals the future. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Know that your descendants will be strangers in a land that will not be theirs. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. And will serve them and they will afflict them 400 years. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. And also the nation whom they serve I will judge. Afterwards, they shall come out with great possessions. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Now, as for you, you shall go to your fathers in peace. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. You shall be buried at a good old age. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. But in the fourth generation, they will return here. For the iniquity of the Amorites is not yet complete. Écoutez le verset 17. Listen to verse 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. And it came to pass, when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between the pieces. Si ces viandes avaient été mangées, la flamme allait passer où? If the meat had been eaten by the vultures, where would this flame have passed? Verset 18. Verse 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniziens, des Cadmoniens. Vas-y, dis-le. On that same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the Kenites, the Kenizzites, and the Cadmonites. Des Éthiens, des Phériziens, des Rephaïm, des Amoriens, des Cananiens, des Gigaziens et des Jébusiens. The Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Gergesites, and the Jebusites. Hallelujah. Hallelujah. C'est ce que nous devons faire. This is what we must do. Le monde sera à ta conquête. The world will come to conquer you. La famille va tenter une reconquête. Your family will try to reconquer you. Ils vont cesser de te persécuter. They will stop persecuting you. Ils vont tenter par une amitié sincère. They will tempt you through sincere friendship. Mais n'oublie pas. But do not forget que tu es une offrande. That you are an offering. Lis pour nous Psaume 118. Read for us Psalm 118. Tu lis le verset 27.
Psaume 118, verset 27. Psalm 118, verse 27. Psaume 118, le verset 27. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Amen. Psalm 118, verse 27. God is the Lord, and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Amen. Je disais, I was saying, tes amis, your friends, qui t'ont persécuté, who persecuted you before, vont changer de stratégie, will change their strategy. Parce que Satan sait que c'est très sérieux. Because Satan knows that it is very serious. Des gens qui provoquent la conversion réelle des membres de leur famille par un prix payé devant l'Éternel, ça ce n'est pas le jeu. People who provoke the salvation of their families by real price paid before God, it's not a joke. Le diable va envoyer les gens te flatter. The devil will send people to flatter you. Tu te souviendras, you will remember, que le pasteur avait dit, that the pastor had said it, qu'on va cesser de me persécuter, that they will stop persecuting me, on va tenter de me conquérir par l'affection, and they will try to conquer me by friendship. Pourquoi? Why? Tu es devenu comme une offrande vivante. You have become like a living offering. Et ce séducteur, and those deceivers, n'est qu'un gros oiseau de proie, are just great vultures, birds of prey. Certaines sœurs consacrées vont réaliser que les maris mondains vont essayer de les corrompre pour les rabaisser. Some consecrated sisters will see, will discover that their unbelieving husbands will try to conquer them by showing them some kind of attention. Le diable va les utiliser. The devil will use them pour les tromper que il les aime d'une manière spéciale maintenant. To show that they love them in a special way now. C'est-à-dire, le diable va utiliser les époux qui sont ses serviteurs. The devil will use husbands who are his servants. Pour essayer d'entraîner leurs épouses à poser des actes ignobles. To get their wives to carry out ignoble actions. Afin de les enlever sur l'autel. After having taken them off. Les enlever de l'autel. Taking them off the altar. Mais Dieu dit. But God says, attachez la victime. Bind the sacrifice. Et ramenez cette victime-là sur les cornes de l'autel. And take it to the horns of the altar. Ce qui appartient à Dieu ne se balade pas dans la cour. That which belongs to God does not stroll around in the compound. Et n'est pas libre. It's not free. C'est attaché. It is tied. C'est posé sur l'autel. And laid on the altar. Mais c'est une armée que Dieu a déjà bénie. But it's an army that God has already blessed. Le nombre de personnes qui ont déjà planifié leur propre croisade est impressionnant. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est dans cette affaire. The personal crusades shows that the Spirit of God is in this matter. Ça ne peut plus s'arrêter. It can no longer stop. Et les familles seront sauvées. And families will be saved. Vous allez voir. You will see. Et quand tu pries, and when you pray, prie avec foi. Pray with faith. Docteur Yao qui a rendu témoignage. Dr. Yao shared his testimony. Il avait d'abord fait avec l'église. He had first of all carried it out with the church. Il dit qu'il n'avait pas bien fait. And he discovered that he had not done it well. Toi-même, l'impression que tu as. For yourself, that impression that you have est un conseiller pour toi-même. Is an advisor for you. Si ton cœur te dit tu n'as pas bien fait ça, if your heart tells you that you did not carry it well, ne cherche pas de révélation ni de prophète. Tu dois reprendre. Do not look for revelations or prophets. You need Et to do it all. C'est quand il a repris. It is when he did it all over. Qu'il a renversé le démon qui avait pris tous ses diplômes. That he overthrew the demon that took his certificates. J'ai écouté beaucoup de témoignages. I've listened to many testimonies. Mais son témoignage est celui qui m'a beaucoup révolté même.
But his testimony is the one that has revolted me the most. Parce qu'il dit que depuis l'école primaire. Because he says that since nursery school he was very bright. Et du primaire jusqu'à l'université, septième année de médecine, un parcours sans faute. And from primary school till the seventh year in medicine school, he was very brilliant. Un démon prend ses diplômes. And then the demon. Un démon, il dit, c'est moi qui ai tes diplômes. The demon took his certificates and said, I am the one who has them. Pendant ce temps, lui, il est déjà un abonné de Kutuku, de la cigarette, de la prostitution. Il marche avec un petit sachet pour faire les injections, les piqûres aux gens au quartier. Meanwhile, soigner les plaies. Un docteur. Meanwhile, he had become one who was subscribed to the drinking of Kutuku. He used to smoke, go after women and the rest, and he used to carry a little plastic bag and he would inject people. On peut the medical doctor. On peut critiquer, il est fait, il n'a rien, il ne peut rien. He could be insulted and criticized, but he could do nothing. Et il a terrassé le démon. And he overthrew the demon. Il a récupéré son sac. And took his bag. Le même mois. That same month. Il a commencé la rédaction de sa thèse. He started writing his thesis. Il a fini, il a même laissé l'autre là, il a pris une autre, il a fini deux thèses, il a soutenu. He finished one and took the other one and wrote it again. Two dissertations, he wrote them and après, finished. Après, il lui restait une seule année pour être fonctionnaire. On l'a recruté. And then he just had c'est one la year même left. Personne, la même personne. He just had 1 year left to be recruited to the public service and he was recruited. We are talking about the same person. Il commence par médecin chef. Then he began by the chief doctor in the hospital. Et puis il est déjà directeur d'hôpital. And then he became the director of the hospital. La même personne. The same individual. Frère, ne doutez pas. Brethren, do not doubt. Et que personne ne vous trompe. And let no one deceive you. Si quelqu'un s'oppose à ce programme, ça veut dire qu'il a des démons qui ne veulent pas partir. If someone opposes this program, it means that he has demons that don't want to go out. Mais il sera délivré. But he will be delivered. Veille sur l'offrande. Watch over the offering. Veille sur ta personne. Watch over yourself. Veille sur tes idées. Watch over your ideas. Veille sur ta consécration. Watch over your consecration. Grandis. Grow. Ne tourne pas sur place. Don't turn around on the spot. Grandis. Grow. Grandis dans la loyauté. Grow in loyalty. Grandis dans tes dons. Grow in your giving. Grandis dans ton ministère. Grow in your ministry. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Élie était un homme de la même nature que nous. Elijah was a man of the same nature like you. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. He shut up the heavens for 3.5 years. Dieu veut t'encourager. God wants to encourage you. Que toi-même. That you yourself. Toi aussi. That you too. Tu peux fermer le ciel. You can close the heavens. Mais il ne te demande pas d'aller fermer le ciel, il te demande d'aller délivrer ta famille. But he's not asking you to shut up the heavens, he's asking you to go and deliver your family. Parce que il demande à chacun une tâche assignée. Because he's asking from each one an assigned task. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ce qui nous attend dès maintenant. That is what awaits us from this point. Et nous devons commencer même à préparer la croisade 2022 maintenant. We even need to begin preparing the 2022 crusade from this moment. Donc le comité est reconduit. S'il veut recruter les gens, qu'il recrute. The mandate of the committee has been prolonged. If they want to recruit other people, they should do it. L'organisation sera prophétique et professionnelle. The organization will be prophetic and professional. Nous étions à Séoul.
Où en Séoul, Yong Gisho organise une journée de prière. Il appelle ça rally de prière. Une journée. Yong Gisho organizes a day of prayer called prayer rally. Il remplit le stade de Séoul. 100 000 personnes. Il remplit ça. He fills the Seoul stadium with a capacity of 100,000 people. He fills it. Il y aura des derniers jours, c'est-à-dire le jour de la clôture, où il y aura même 1 million, 2 millions de personnes rassemblées. The day of the closure will have, an instance will have 1 million, 2 million people gathered. Vous allez voir. You will see. Même ceux qui doutent seront guéris du doute. Even those who doubt will be healed from their doubts. Nous allons utiliser le renversement des principautés pour donner à Jésus des milliers, des millions d'âmes. We are going to use the overthrow of principalities to give Jesus millions of souls. Le dernier jour de la croisade, on the last day of the crusade, il y avait 520 âmes debout pour donner leur vie à Jésus. 520 souls standing to give themselves to Jesus. Ça veut dire que avec un peu d'organisation et avec les prières des jeunes, vous verrez des millions de personnes à genoux. With little organization and with prayer and fasting, you see millions of people on their knees. C'est-à-dire, on dit, Dieu est là, repentez-vous, les gens commencent à pleurer, sans même crier. We just need to say, God is present, repent. People will just be calm. Pendant qu'ils prient, les maladies sautent seulement, ils sautent. And while they are praying, sicknesses will just be fleeing. Les goîtres là, ça disparaît, tu touches comme ça, il n'y a rien. Goiter will just be disappearing. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Mais le Seigneur veut que chaque étape soit consolidée. And God wants that every step should be consolidated. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce que j'ai dit là, beaucoup ont déjà vu ça en vision. What I'm saying, many have already seen it in visions. Et ça va s'accomplir. And it will be accomplished. Je voudrais que chacun se lève. I would like each one to stand. Tu dis à Jésus. Tell Jesus. Je veux veiller sur moi-même. I will watch over myself. Je veux veiller sur mes désirs. I watch over my desires. Je veux veiller sur mes pensées. I watch over my thoughts. Je veux veiller sur mon cœur. I watch over my heart. Je veux être une offrande vivante. I will be a living sacrifice. Je veux que ma vie, I want that my life, ouvre le ciel au-dessus de moi. Will open the heavens over me. Prions ensemble. Let's pray together. Oh rabaka sharga bagalaga sharga bagalaga sharga bagalaga bagalaga sharga 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 bagalaga sharga. Donne-nous cette sagesse de garder le ciel ouvert au-dessus de nous. En veillant sur l'offrande qui est posée sur l'autel du sacrifice. And accept our offering on the head of the sacrifice. Fais-le pour ceux qui sont ici ce soir. Do it for those who are here this evening. Fais-le pour ceux qui sont à la maison. Do it for those who qui n'ont pas pu être avec nous. Who have not been able to be with us. Oh Père. Oh Father. Bénis-nous de cette bénédiction. Bless us with this blessing. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.